Attention, touchez pas au cadavre. Je vais pas toucher. Salut tout le monde. Bonjour inspecteur. Depuis quand est-il mort? À peu près au milieu de la nuit. De l'alcool? De la drogue? Quelque chose? Non merci. Comme vous voulez. On dirait qu'il a été assommé par derrière. Ça doit être un coup de la mafia. Non, un coup de bâton. Inspecteur. Ouais donc. J'ai trouvé une tasse de thé qui date d'hier après-midi. Hier après-midi, il a bu du thé. Ouais. C'est donc un meurtre après-midité. Et quoi? Il a saisi ses pains? Non. C'est une blague. Hein? Après-midité. Non, je comprends pas. Allez donc faire la circulation, putain. Bon, c'est encore moi qui me tape la circulation. Alors, sergent Robinson Lagligan. Oui, inspecteur. Vous avez interrogé quelques voisins? Oui, il y a la dame d'en face qui dit que c'était un homme très gentil, parfois un peu acide, mais c'était involontaire. Ce serait donc un homme acide involontaire. Pardon? Homme acide involontaire, c'est une blague. Vous saisissez pas? Vous voulez que je fasse la circulation? Non, foutez-moi le camp. On n'a pas que ça à faire. Smith! Ouais? Johnson! Ouais? Brick in a closet and tweeze and pick in a coward tear! Ouais? Allez donc fourrer la couille derrière! Qu'est-ce qu'il a dit? Moi qui voulais dire, allez donc fouiller la cour derrière. Inspecteur. Oui, qu'a-t-il, sergent Steven Sullivan? J'ai ici un témoin qui a un enregistrement de ce qui s'est passé. Formidable, votre nom? Je m'appelle Bob Scrisson, Paul de Nicolas, Racing de McRae. Faites-moi tout de suite entendre cet enregistrement. Écoutez. Et en plus, l'assassin révèle son propre nom. Super. Chut. Salaud, je vais te tuer, mon salaud. Aussi vrai que mon nom est... La du gros poing sur les grosses fesses. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde, on dirait que ma petite fille a enregistré par-dessus. Mais ben, je suis vraiment désolé. Inspecteur, venez vite. Allons-y, vite. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Cet homme était dans la penderie. Il est vraiment amoché, mais il vit encore. Il doit savoir le nom de l'assassin. Et mon vieux. Et mon vieux. Qui était l'assassin? Il s'appelait... Oh, bon sang, on sait tous qu'il va crever avant de dire le nom, alors arrêtez de nous faire traîner pour rien. Et merde. Quoi, il est mort? Non, c'est que je connais personne qui s'appelle... Oh mon dieu, mais est-ce que c'est possible d'avoir un truc plus niais que ça?